Monsieur le député, monsieur le conseiller général, monsieur le maire de Tournan, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux des communes de la région de Tournan-en-Brie, monsieur le représentant du baron Rothschild, mesdames, messieurs, mes chers amis, 16 novembre 1996, gymnase du Sivom situé sur le territoire de Tournan-en-Brie, c'est traditionnellement le lieu et la date du concert organisé par le club des amis de la FNACA. C'est le 5e concert, et comme tous les ans, le nombre de personnes présentes dans la salle prouve l'intérêt que la population de notre région apporte à cette réalisation. Pour que ce succès soit complet, bon nombre de personnes et associations nous ont aidés, et il me faut les en remercier. Tout d'abord, le baron et la baronne Edmond Rothschild, la municipalité de Tournan-en-Brie et son maire, M. Michel Barret, le comité des fêtes de Tournan et son président, M. Gérard Marécourage, le président du Sivom et ses collaborateurs, et pour terminer, la Diam 77. Je me dois également de remercier les personnes qui participent plus directement à cette manifestation. Je nomme ici M. Francis Gorge, directeur de l'Orchestre d'Harmonie, ainsi que toute sa formation et l'équipe du Club des Amis de la FNACA et du Comité des Fêtes qui ont travaillé pour l'installation de cette salle. À l'honneur enfin, la chorale de Liberdy, sous la direction de M. Éric Michaud, qui va faire en sorte de charmer vos oreilles. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et je passe la baguette à M. Francis Gorge. Thank you.
pour l'aider à supporter sa solitude. Thank you.
Je demande donc à la colorable de Liberty de bien vouloir venir nous rejoindre sur scène. Plus connu sous le titre de français comme d'habitude.
Lisa Minnelli. Place au cabaret. Thank you.
Thank you.
arrangement de Ron Seagraves.
Le soleil doré du matin embrase le paysage. Aujourd'hui est un grand jour. La cérémonie va bientôt commencer sur le rocher du roi Lion.
de venir nous rejoindre. Vous interprétez Michel Burcombe, une chanson de John Bass. C'est une marche, une hymne à la liberté et à la solidarité. Thank you.
circonscription de M. Barré, maire de Tournanville. Monsieur le député, monsieur le conseiller général, monsieur le vice-président du CIVOM, mesdames, messieurs les maires de notre canton, mesdames et messieurs les élus, je voudrais, au nom de vous tous, prononcer des mots de remerciement pour l'excellent travail que vient de faire l'orchestre dirigé, et je crois d'une main de maître, par Francis Gorge. Je voudrais, mesdames et messieurs, que vous applaudissiez l'ensemble et son chef. Conseiller général, de bien vouloir remettre une médaille du Conseil général à M. Francis Gorge, qui le mérite bien. Bien sûr, en compagnie de mon collègue conseiller général lui-même, député de la circonscription, mais qui fait partie de l'Assemblée départementale. Alors, M. Francis Gorge, au nom du Conseil général, je suis très heureux de vous remettre la médaille d'honneur de la dite Assemblée pour tout le travail que vous avez accompli au sein de cette formation et qui mérite tous nos applaudissements les plus chaleureux. C'est sûr. Cet instant est un instant culturel privilégié. Il est parmi les plus attendus chaque année dans notre région. Ce concert est placé sous le haut patronage du baron et de la baronne Edmond Rothschild qui sponsorise cette formation. Mais il faut ne pas oublier le travail important et depuis de longues années des amis de la FNACA et particulièrement de Michel Partainville et de M. Cabane. Ce sont des gens qui ont donné l'élan à ce grand orchestre et pour nous, c'est une belle réalisation. L'évolution, nous la devons depuis de longues années et M. Francis Gorge a depuis pratiquement quelques années non pas doublé sa formation, mais multiplié sa formation. En 1990, il a démarré son orchestre avec 7 musiciens. Aujourd'hui, 35 musiciens sont à son côté. Eh bien, je crois que nous pouvons apprécier le travail qui est fait d'une façon constante. Et puis, il y a aussi un rôle social de cette formation. Nous pouvons dire merci à M. Gorge parce qu'il y a ce rôle social qui est important. 10 jeunes sont rentrés au Conservatoire de musique, un au Conservatoire national de musique et un a été engagé dans les troupes de marine et joue dans un orchestre de marine. Eh bien, cela prouve le travail nécessaire, laborieux, fastidieux pour certains, mais qui, chaque jour, amène son lot de satisfaction et nous en sommes fiers pour vous tous. Il est vrai aussi que nous souhaiterions que cet orchestre deviennent plus importants encore. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre ville, dans notre canton, et je souhaiterais que ce soir, ça puisse leur donner envie de jouer de la musique. Et puis aux anciens, aux aînés, aux seniors, ceux qui sont actuellement en demi-retraite, ou pratiquement vers la retraite, ou quelquefois avec des loisirs importants, qu'ils viennent rejoindre les gens de cet orchestre pour que nous puissions dire vive la Sainte-Cécile, vive l'orchestre de la FNACA et vive la musique. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée à vous. Vous avez pu apprécier le talent de la présentatrice
son élégance, sa gentillesse et sa façon de plaire. Vous permettez qu'au nom de notre équipe municipale, nous puissions lui décerner quelques fleurs. Et je lui fais la bise en votre nom à tous, messieurs. Ah. Alors, comme l'heure est au cadeau ce soir, eh bien nous, tous les musiciens et musiciennes, il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Parce que sans lui, oh, je suis très émue, sans lui, ce soir, on ne serait pas là. J'appelle Monsieur Kevin Gera. Donc nous lui remettons ce petit présent et tout au long de l'année, il va pouvoir passer un temps à nous, noter ses rendez-vous, noter son prochain concert, qui je crois est le 15 novembre 1997. Eh bien, voilà, je suis là. Eh bien, je dirais que c'est inattendu en ce qui me concerne personnellement, mais je tiens à remercier M. Georges, Mme Weber, Véronique pour les intimes qui ont fait partie pour ce présent que je garde très précieusement. Et j'espère que l'harmonie, comme le club des amis de la FNAC et comme la FNAC elle-même, continueront encore longtemps à vous distraire. Voilà, merci messieurs.